Alerte! Alerte! Shopkeeper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stereo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, avant... Ah, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Ah, les gars, ah, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Ah, soyez sympa, m'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'homme arrive. Ah, elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Et quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de cinq des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Ah, mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Ah, pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur vraie existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Par Wallis, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil, donne la hotte, Philibert. Arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gorgius, on ne sait pas où ça a traîné. Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gorgius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Oh, vous avez vu, elle salive. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, tuticole. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de deux. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite.
grâce à cet appareil idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Ouais. Regarde bien, Philibert. Tête en avant. Gagné. Wow, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Hostie! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai, moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait! Stop! Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Ou avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement. Par Réa Survie, joyeuse fête de Noël garantie. Ok, envoyez la sauce. Malgré son âge, il reste branché le patron. Oh là là, ah, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir. Rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort. Elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible. Qui dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Mon garçon, pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'âtre. Mains jointes et cœurs battants, la venue du personnage dont ils rêvent, le Père Noël. Oh, vite, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. J'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe! C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tout déballé. Ouais!
Papy Noël. Oh, oui. Oh, bah, ça a été de la tarte aux fraises, ce coup-là. Alors, brave Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tapdur et le jeune Frédéric, le défonceur. Et repartez pour un tour, mon bon Philibert. Ok, on y est, les gars. Cette baraque est totalement abandonnée. Personne ne pourra jamais savoir que vous êtes ici. Alors, cool, relax. Vous répétez à fond les ballons et on se retrouve pour le show dans 2 jours. Ok? C'est qui ça? C'est quoi ça? Je crois être en mesure de vous l'apprendre. Voyons cela. Terre, vie inférieure, non. Amibe, non. Plancton, non. C'est des animaux ou bien des légumes? Nous semblons être en présence d'humanoïdes, si l'on en juge par leur musculature sous-développée. On peut en déduire que la vocifération guttérale résulte d'un quelconque mécanisme primitif de défense visant à mettre l'ennemi en garde afin d'éviter un conflit tribal et dans lequel il serait probablement éliminé. C'est eux-là. Ah oui, regardez, les humanoïdes. En effet, il s'agit bien d'eux. Ce sont des musiciens de rock. Il est marqué comment on s'en débarrasse. Un moment. Musiciens de rock. De si belles, cuir noir, boucle d'oreille. Des concerts de rock sont interdits dans les zones résidentielles. Les décrets visant à prévenir la pollution sonore intramuros sont strictement appliqués sans aucune dérogation par les forces de l'ordre municipal. S, oui. O. S. Police,
Oui, je voudrais vous signaler une infraction au règlement 0754 réprimant les nuisances sonores en zone résidentielle à l'adresse suivante. Oui, qu'est-ce qu'ils veulent, les flicards? On a reçu une plainte contre vous pour non-respect de la... Oui, enfin, c'est-à-dire, est-ce que je peux vous demander, sans vouloir abuser de votre temps, si vous ne seriez pas, par hasard... Oui, c'est moi. En vrai de vrai. Oh, monsieur, vous êtes mon idole. Enfin, je veux dire l'idole de ma fille. Est-ce que je pourrais avoir votre autographe? Ouais, ou tu veux que je te le colle? Et c'est un gars de première, hein, ce Dick. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on trouve des vrais autographes signés par des vedettes. On les a eus, hein? Et comment? Ouais. Country et western, style musical totalement méprisé par les vedettes du rock. Hey, t'as vu ça, Ethno? Slick Steger, le roi du rock'n'roll. Slick Steger, le roi du rock and roll. C'est Slick Steger. Du super groupe hyper légendaire, les cochons d'Inde. Sounding down and bang a big head lift, oh yeah. The band that's on me very high, but so loud it's how, yeah. Some old amount of baby time, oh yeah. Mec, c'est glauque. Oh, oh, il est raide horizontal. Oh la, la vache, c'est notre concert de soirée. Oh, il est naze. Faut se trouver un autre chanteur. Géant le concert, les gars. Reposez-vous un max, on passe vous reprendre dans quelques jours. Allez, voilà. À vos postes. Purée, c'était trop fou en délire. Super cool, le concert. OK. Salut les garçons, on joue ensemble, on vous attendait depuis une brave value. Yeah! Musique country. Yeah! Attendez-moi les mecs, vous pouvez pas me laisser avec ces monstres.
regardez, ça alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice Lelouch, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Mais quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Et non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Cher camarade, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je le présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. Et à notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille fribouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché. Ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre. Et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes quatre extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, je fais installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, alors si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, ben, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télé. Commande. Eh oh, je suis pas égoïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un match. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Je fais mal. Non, arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les sputes pour l'émission. Moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. Coucou. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada! Oh oh, l'émission est à peine commencée. L'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgeous? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant. Je voulais juste rappeler. Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui.
Maintenant que les présentations sont faites, n'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions. Et c'est presque gratuit. Je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nyon. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethnon, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous allez chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethnon, il semble que vos petites cachotées sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre, un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, la story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt préféré. Comme d'habitude, tiens, monsieur Passe-Sénère sur ce pauvre Candice en défense. Il me harcèle, j'en peux plus, avec toutes ses exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de sang-cœur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candice. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow! Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgeous? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud, lui, éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh, oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye, Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Mais je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgeous va se retenir de manger le gâteau? Il pleure. Non, mais faut pas exagérer. Déjà, c'était mon parfum préféré. En plus, t'es parti 10 heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et... C'est bon, allez, on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc-toc-toc, bonjour, on peut rentrer? Non. Comment ça, on peut pas rentrer? Moi, j'ai gagné, et vous, vous avez perdu. Hey, c'est un poids de perdant, ça. Tu veux y goûter, peut-être? Oh, mais c'est Gorgeous! Mais c'est toi, mon vieux copain! Bienvenue à bord! Oh, j'appuie, mais elle veut pas! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir! Merci de nous avoir été fidèles, et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story!
Non, mais en fait, je me suis crashé et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein, les gars? Tu nous as embobinés avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. Oh, d'accord, c'est pas grave, de toute façon, on est tout dedans. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la poste intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fais ça. Vous avez une petite place pour nous. Ça dépend, vous êtes des employés de la poste. Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, petit. Hey! Mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là-dedans, la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter. Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé. Regarde, elle est tout cassée. Pourtant, elle t'avait rien fait. Tu n'es qu'une brute. Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut en tirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno. Ouais. C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un bon bébé, c'est un bon bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec tes couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort dans lui. Non, j'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hey, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où elle m'a. Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences. Et non, tu as promis. Alors juste une. Une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que Lucky. Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Non, il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue.
Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison. Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, hey Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale! Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric. Voilà, on arrive une minute. C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma, haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Il a un gros besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Oh, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel beau temps de train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi, je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête. Il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud. Et bientôt, tu peux en être sûr. Ça va être à notre tour d'y passer. Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau, ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Bad! Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre. Et ça, c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Bien, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il n'y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui, le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe, la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus. Oh, ahou. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur le canal météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agitée à très agitée avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage. Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un fronfron qui prend naissance au nord de la mer de Marin, ce qui va s'étendre.
Ok, du calme. Laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Mais, je ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue. Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut s'y être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Il n'y a pas de gros ici, y a que moi. Je suis pas du tout gros et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi. Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal. Hein, mais il pense que son père, c'est moi. Le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Hey, c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Hein? Je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur deux. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Je crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Dis-moi les coupées! Oh tiens, c'est ma télé! Oh, elle est toute cassée! L'important, c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible à la télé, elle est encore tout cassée! Dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie où les sécheresses qui durent depuis bientôt deux mois s'accompagnent... On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. ...des millions de corbeaux dans les pubs à la recherche d'une boisson fraîche. Qui passe à Rousseau, qui cache son ballon sous son maillot. Mais que fait-il? On dirait qu'il fonce vers les vestiaires. Mais oui, c'est bien ça. Il cherche à s'enfuir vers les vestiaires. Et attention, Sabo est mort, ballon repéré. Il tombe dessus. Oui, il se tape, il se massacre. Ça y est, mes amis, la partie est en train de commencer. C'est la grosse baston. Combien de fois faudra que je te dise de ne pas passer l'aspirateur quand il y a du foot à la télé? Pourquoi tu ne t'occuperais pas plutôt de ton jardin? Tu devrais surveiller tes plants de melons. Oui, tu as de si beaux melons dans ton jardin, tu ne voudrais pas qu'ils aient de pépins, hein, j'en suis sûr. Oui, très beaucoup. Magnifique, très beau coup de tête de Prévost. Aziza, le numéro 11, entre sur le terrain et c'est la boucherie. Oh, les hommes et le foot, allez comprendre, le foot. Oh, bonjour, mes chéris. Alors, comment vont mes merveilleux melons aujourd'hui? Et toi, mon petit Nicolas, hein, ça pousse? Je suis fière de toi. T'es de plus en plus beau, tu sais. Une pure merveille. Tu es superbe. Quoi? Qu'est-ce que c'est? À l'attaque! À l'attaque! Quoi? Ça y est! J'y suis!
où je m'empare de cette planète au nom de la Fédération Galactique. Où est la sonde spatiale, commandant? De ce côté-là. Je les vois, là. Vite, ils arrivent. C'est une poupée, ça? Pas du tout, lieutenant. C'est un espion venu de Mars. T'as vu comme ça vole? Ok, j'ai réparé ce droïde. Le circuit de contrôle cybernétique était déréglé. Juste un bon coup de marteau. Conseil d'amis, ne la ramène pas, elle l'air de rien. Allez, essuie-la maintenant. Mac, 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 mac. Faut appeler la police. Aussi, je me demande s'ils sont pas plus rapides. Oh, ta nouvelle maison est prête, Sissi. Hé, donne-moi ta poupée. Non, Sissi et moi, on joue à la dinette. Ouf. Maintenant, Sissi va se relaxer à la maison après une dure journée de travail. Hé, ça commence, les danseuses étoiles. Gentil, le chat. Le chat? Le chat. Oh, au secours. Centre de stéréo sur Ganges qui tire. Oh, quelle cacahuète. Oh, je l'ai. Je l'ai. Oh. Ouais. Vite. 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 Oh non, pas les épinards à la crème. Oh. Finissez vos assiettes, sinon c'est les vacances chez mamie. Dis ah, Sissi. Et gardez-moi un peu de place.
Bye bye la marmaille. Oh, ça y est, je quitte l'enfer. Gros Minet, tu l'as dans le baba, sac à puce. Oh, tu peux toujours essayer, tu peux rien contre moi, Gros Minet. Qu'est-ce qui t'arrive, mon minou? T'as avalé ta salive? T'as donné ta langue au chien? Quel affreux celui-là! T'as cru que t'allais m'avoir, hein? Bouffeur de sardines! Bon, rien! Gras du bide! Espèce de hangar à mulot! Gentil. Voilà. Regardez ce gentil petit chat. Il est mignon, tout plein. Oh, le gentil chaton, son pépère, oui. Quoi? Tu veux ma photo? Excellent! Excellent! En voiture, Simone! J'ai réussi! J'ai quitté cette baraque de fou! André! Les joueurs sont tous à l'œuvre! C'est seul sur le terrain, ils sont... Salut les gars! Je vous ai pas trop manqué! Mesdames et messieurs, je vous présente le summum de la technologie en matière de vaisseaux spatiaux, la gyrosoucoupe. Waouh, j'adore la couleur. C'est la troisième soucoupe du mois. J'espère que cette fois, tu n'as pas oublié d'y installer au moins un moteur. Et t'appelles ça un poste de pilotage, ethno? Il est où le démarreur? Dans ce vaisseau ultra-moderne, on n'en a pas besoin. Il suffit de presser ce petit bouton. Il déclenche la procédure automatique de décollage qui, une fois lancée, va nous laisser 66 000 secondes pour boucler les valises et monter à bord. Qu'est-ce que vous en dites? Ok, compris. Démonstration. Je vois que vous appréciez. Maintenant, je vais suspendre la procédure. Zebra, je ne vais pas stopper le compte à rebours. Ne t'inquiète pas, en 57 000 secondes, j'ai tout le temps de plier et d'empaqueter mes culottes préférées. Et moi, j'ai juste le temps de transférer le contenu du frigo dans mon petit bidon. Oh non, qui ça peut être? Qui que ce soit, essaie de te débarrasser d'eux. Désolé, cette maison est sous quarantaine pour cause d'épidémie de lèpre et on a déjà des tas d'aspirateurs et une bonne douzaine d'encyclopédies. Une autre fois, peut-être. Salut, mon garçon, on est les nouveaux voisins. Papa et maman sont là. Eh oh, les vieux, il y a de la visite pour vous. Bonjour tout le monde, c'est les voisins. Vous pouvez m'appeler Bob. Waouh!
mais quel superbe espace. On s'y sent tout de suite comme chez soi. Oh, et cet accueillant canapé. Oh, mais c'est un modèle de gestor. Voici mon adorable épouse, Missy. Va faire pipi, va faire pipi, va faire pipi. Ça, c'était Bob Junior, le petit diable à sa maman. Et voici Viola, c'est le cerveau de notre bande. Du foot. Mais hey, Bobby, qui t'a appris à faire ça? Ce qui compte, c'est ton pied d'appui. Il doit être dans l'axe de tes hanches. Et avec qui ai-je le plaisir de bavarder? Mon nom est Ethno Polino. Et là, ce sont mes enfants, Bud et Gorgeous. Et voici Candy, ma femme. Ça fait 3 fois en 1 an que ma boîte me fait déménager. Mais croyez-moi, les amis, avoir des voisins comme vous, ça donne envie de rester ici plus longtemps. Je gagne ma croûte comme scientifique, spécialiste en biologie. Voici ma carte. On fait un petit barbecue cet après-midi. On compte sur vous, hein. Attention, si vous ne vous montrez pas, on viendra aux nouvelles. Oh, ils sont vraiment très sympathiques. Il faut absolument que nous rendions visite à nos nouveaux voisins, mon chéri. Et à leur merguez grillée. Ma foi, les occasions d'échanger des idées avec un scientifique terrien ne sont pas si fréquentes. Et nous avons largement le temps avant le départ. Ça vous plaît? On a opté pour une déco zen à la limite du spartiate. Moins il y a de meubles, moins il y a de poussière en dessous à aspirer. Wow, trop cool la soucoupe. Tu parles, la note de soucoupe, elle est bien plus cool. Bien ferme, crétin. C'est quoi cette histoire de soucoupe? T'occupes, c'est rien, mon frère, c'est un petit blagueur. Ouais, note soucoupe. Tu fermes ta boîte à merguez. Vous êtes sûr que vous êtes des humains, vous? Moi, je dis que c'est des aliens. Même pas en vrai! On a des papiers en règle! Mais on n'est pas des aliens, on est une bande d'extraterrestres! Et dans quel domaine faites-vous des recherches? Moi, je bosse sur des projets gouvernementaux ultra secrets. Bien, 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 passionnant! Entre nous, je fais dans l'extraterrestre. Il n'y en a pas beaucoup par ici, hein, chérie? Vous savez combien d'aliens parviennent chaque jour à entrer clandestinement sur notre planète? C'est mon boulot de les capturer et de les conduire au laboratoire où on les découpe en fines lamelles qui sont ensuite soigneusement étudiées. Aïe! Mais je vous ennuie avec ces histoires d'aliens qui n'intéressent que les spécialistes. L'important, c'est que ça paye bien sans trop se fouler. Mais je me rappelle soudain qu'on a laissé le robinet ouvert, le lait sur le feu et qu'il est l'heure de tondre le chat. Merci 1000 fois pour votre accueil. À la prochaine, bye. Vous n'allez pas partir sans même avoir goûté à mon barbecue. Et vous n'avez même pas rencontré nos amis. Vous allez adorer Franck, vous avez le même genre d'humour. Vite, il faut te dégager d'ici. Ils vont nous découper en fines rondelles, saupoudrer d'épices exotiques, nous noyer dans la mayonnaise et nous étendre sur des crackers. Je suis un dévoreur, pas un dévoré. Permettez, Madame Polino. Attendez, il y a un film super cool. Dépêche-toi, Bud, il est question de sauver nos peaux. Eh, faut pas avoir peur de nous, on est super cool. Est-ce que les aliens font caca? Dégage, morveux, ou mon ami va pondre des œufs à l'intérieur de ton corps. Si vous ne vous emmenez pas faire un tour en soucoupe, je vais aller dire à papa qui vous êtes. Ok, d'accord. Il nous reste encore combien de temps? Eh bien, on a encore un peu de marge. Je vous présente mes meilleurs potes de bureau, Drac et Franck, experts en lobotomie et dissection d'aliens. Des sacrés bouts d'entrain. Juste une petite crise d'hypoglycémie. Si la pomme tombe, t'as perdu! Hey, 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 hey.
C'est la vérité, Bobby, notre soucoupe n'est plus qu'un vieux tas de ferraille. Je sais même pas si elle peut encore décoller. On va la chercher pour faire un tour. Écoute, espèce de sale petit gros boutonneux, avant de faire un tour en soucoupe, il faudrait déjà que tu saches où elle est. Tu sauras pas qu'on la cache au grenier. Tu sais, Bud, des fois je me demande de quelle planète tu viens. Cordy, à vous de jouer. Goosey, goosey, goosey. Goosey, goosey. Zèbre, le temps va nous manquer. Ouais, on va faire un tour en soucoupe. 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 C'est moi qui conduis. Non, c'est moi qui conduis. Moi aussi je conduis. Elle est vraiment trop cool. Waouh, elle est carrément démente, la couleur. Alors là, t'as besoin d'aide. Eh ben, puisque tu proposes. Des sons d'éclat tout de suite. Vous n'avez pas les diplômes pour pouvoir conduire cette soucoupe. On va partir. Paré à décoller. Attachez vos ceintures. Décollage. Non, c'est moi qui conduis. C'est moi. Lâchez sa bande de morveux. Elle ressemble à celle qui s'était crachée en 47 à Roswell. Hélas, c'était la dernière virée en soucoupe de cette alien, paix à ses restes. Oh, quelle horreur! Je venais tout juste de terminer la déco de la salle de bain! Et vous, si vous dites quoi que ce soit à vos parents, je leur dis que tout ça, c'est votre faute. Comme c'est ennuyeux, vous devez partir à présent. Eh oui! Comme disait ma grand-mère, ce sont toujours les meilleurs voisins qui déménagent en premier. Alors, vous en dites quoi? Et cette fois, le compte à rebours démarre pile poil à 60 secondes. Et plus personne ne sera en mesure de nous empêcher de partir. Toc, 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 y a quelqu'un? Je dérange pas, j'espère. Détendez-vous, il n'y a pas de lézard, les gosses m'ont tout raconté. C'est inutile de paniquer, je travaille plus pour le gouvernement. Je me fais des petites fortunes en vendant des barbecues par internet. Voici ma carte. On organise une petite sauterie cet après-midi pour fêter ça. Rassemblement à 1h. Compte à rebours terminé. Prêt à décoller. Je vais réchauffer le reste de goulash. Tu m'en laisses un peu. Oh, vous ne devinerez
trouverez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh, elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Molux. Molux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenus la jolie petite fille blonde et son gay compagnon? Ben, en grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Molux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Molux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Molux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Molux. Conley, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Molux est bel et bien réel. Je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Molux. Les gars, je vous présente Molux. Ben ouais, sauf qu'en vrai, c'est Gantahu. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existe pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Molux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Oh, vilain Molux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Molux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama. Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir, de toute façon j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnou. Molux, mon meilleur ami, tu veux bien être mon papa? Ah,
dis donc, t'as pété ou quoi? Mon Luke Fate a appelé! Mon Luke Fate est arrivé! Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu follement ce matin que vous aviez foufflé dans la flûte magique! Génial, j'ai deux Moluxes, hein. Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgeous. En fait, je suis un Molux pour de faux. Son frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affectoire. Oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, attire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain non, que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zibra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur. Je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourri aux choux ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qu'il perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sou neuf. Bon, alors ben je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution, hein. On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus pu du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. The fin bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure. Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en vaut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument, nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste deux gouttes, bud, hein? C'est du super concentré. Stop!
Le réservoir est plein. On n'a plus qu'à décoller. Tourne-le encore une fois. Moi, je vais chercher Cordy. Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Cordy. J'ai une bonne surprise pour toi. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage ? Les poils, ils continuent à méga pousser super vite. Mais on a une méchante meule d'énergie pour la fuser. L'important, c'est qu'on s'en va. Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non ! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Moluxifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie.